Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo annonce. Et je tiens à m'excuser si la caméra n'est... Si la vidéo n'est pas exactement au centre. J'ai aucune idée de où est le centre, mais c'est pas le sujet. Cette vidéo, c'est une petite vidéo annonce, parce qu'en fait, j'ai plein de choses à vous dire, parce que... il s'est passé plein de choses au niveau de ma santé, et des choses pas cool. Du coup, voilà, je vais vous en parler dans cette petite vidéo. Pour vous expliquer un peu tout en fait et vous expliquer quelle est la raison de cette absence que j'ai eue pendant un petit moment où il n'y avait pas trop de vidéos et où c'était des vidéos vraiment simples. Voilà. J'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, je suis épileptique. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que tout est dit, je suis épileptique, ça veut dire que c'est assez compliqué de proposer du contenu sur internet. Que ce soit dans la journée ou le soir, je suis obligé de réfléchir à plein de choses à l'avance, de tout calculer entre guillemets, mais surtout de prendre particulièrement soin de moi. Parce que quand j'ai commencé ma carrière sur YouTube, j'étais pas épileptique. C'est-à-dire que sur les premières vidéos, je ne l'étais pas du tout. Et à partir des plus récentes, donc à partir du premier épisode de POV Genuine Humor, là j'étais épileptique. Voilà. Comme ça c'est dit, le premier épisode de POV Genuine Humor, il a signé le début de c'est à partir de là en fait où vraiment j'étais épileptique et où vraiment c'était la galère. Donc voilà, ça fait que quand même tout va bien, hein, je me porte bien. Je me porte très bien même. Je peux faire ma vie, mais je peux pas la faire comme un étudiant à la fraîche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc alcool, je vais passer des meilleurs. Bon, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que du coup, je dois être un petit peu plus minutieux par rapport à mon hygiène de vie. Donc, beaucoup de sommeil et j'en passais des meilleurs. Donc, c'est un peu relou parce que je suis quelqu'un qui a un peu du mal à dormir, mais bon. Donc, voilà. Du coup, là, c'est à l'heure où j'enregistre, enfin, le jour où j'enregistre, on est le 31 août. Cette vidéo devrait, avec un peu de chance, être postée le 31 août, j'espère. Sinon, ce sera le 1er septembre, tant pis. Mais voilà, à l'heure où j'enregistre, le jour où j'enregistre, on est le 31 août. Il est environ 8h45. Ouais, j'ai pu voir là, enfin, dire. Hop. Allez, hop. Bon, vous le voyez pas, mais sur l'écran, il est marqué 8h45. Et du coup, voilà, 8h45. Oh, pardon, excusez-moi. 8h45 et je parle bien 8h du soir, pas du matin, parce que vu le peu de luminosité qu'il y a, à moins qu'on soit en hiver, normalement déjà il fait jour 8h du matin, mais bref, c'est pas le sujet. Du coup voilà, sachez qu'il y aura des vidéos, mais le rythme baissera. En général j'essaie de vous proposer une vidéo toutes les semaines, mais ça va être un peu plus compliqué déjà parce que dehors j'ai des cours qui vont arriver bientôt, hein, à partir du 6, et ensuite qu'avec ma santé qui n'est vraiment pas à son prime, ça va être un peu compliqué. Sachez quand même que j'essaierai de garder une régularité sur le contenu que je propose. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être regardé mes streams sur Twitch, je suis pas prêt d'en refaire avant un bon paquet de temps. Tout simplement parce que j'ai pas un gros PC. Mais bon, c'est pas bien grave. J'espère quand même que voilà, le contenu que j'essaie de vous offrir de façon assez régulière vous plaît. Et nous, bah, on se retrouve peut-être dans une ou deux semaines, avec un peu de chance. Normalement, l'épisode de POV Genuine Humor devrait arriver dans quelques jours. En fait, j'essaie juste de regrouper plein de vidéos qui sont marrantes, et après, je fais le montage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, en fait, le principe, c'est vraiment l'émission, c'est je vous propose des vidéos TikTok, etc., ou d'autres plateformes même, qui ont vraiment une vine énergie x400, c'est-à-dire en pire encore. Avec un humour qui personnellement me fait marrer, et en espérant que ça vous fasse rire aussi. Donc voilà, je vous tiens au courant dans tous les cas, et j'espère que quand l'épisode sortira, bah, il vous plaira. Sur ce, c'était Julio Gonel. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et faites attention à ces périodes de Covid-19. Pensez à porter vos masques à l'intérieur de votre lycée, de votre collège, de votre école, ou des lieux en général. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.